David James, former England goalkeeper. It's a big shout out to GLTV. Thank you for letting me on your show, and good luck. My name is Stephen Appiah, former captain of the Ghana senior national team. Keep watching GLTV. Marcel Desailly sur GLTV. Hello, that's me, Kanu Wankwo. Keep watching GLTV. Monsieur Kolotu Habib, GLTV. Hi, what's up? My name is Ewa. I'm a stand-up comedian from Nigeria. You're on to GLTV. Ewa, I say so. Keep watching. Don't go nowhere. Paulin Poku à KPMK 40 sur GLTV. On est ensemble. Ika de Young, elle est congolaise. Hi, my name is Michael Lesien. My name is Pascal Noma. Keep watching GLTV. You are here. Peace. Peace. Bonjour, c'est Samuel Eto'o. Je vous embrasse tous sur GLTV. Cet événement qui est un événement qui valorise encore une fois le continent africain. Nous avons l'honneur de recevoir à nos côtés deux grandes dames qui évoluent ici en Belgique dans la politique. Bonsoir. Bonsoir Rika. Et vous êtes ? Guylaine Molaï. Et votre fonction ? Je suis membre du cabinet de M. Rudy Vervoort, oui. Le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale. Oui. Et je suis mandataire à la commune de Schaerbeek. Merci. Bonjour Rika Deong, voilà Dora Ilunga, actuellement conseillère communale, ancienne échevine, connue un peu pour avoir été la première échevine noire, ouais. Afro-descendante en Belgique. Voilà. Nous sommes, je sais même plus citer, à la 40e édition de cet événement, les souliers d'ébène qui, encore une fois, apportent un plus à cette communauté ici, étant donné que vous-même, vous amenez aussi ce plus-là à cette communauté. Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ça, là, ici ce soir? Celle-ci, c'est la 27e édition. Donc, il faut savoir que je crois que ce sont la première association qui a mis en place cette histoire d'Awards. Donc, je pense que vous voyez la salle, hein, vous voyez le public qu'il y a. C'est vraiment le top. Ce sont vraiment des personnes qui font quelque chose de plus-value pour la communauté africaine subsaharienne. Ici en Belgique. Ça apporte énormément et puis c'est une autre classe, quoi. Ouais. Vous voyez vous-même. Donc voilà. Tout à fait. Un petit mot sur ça? Oui, donc c'est un grand concours, quelque chose qui fait un peu en parallèle avec les souliers d'or, hein, donc qui est très connu. Les souliers d'ébène permettent de mettre en avant finalement des footballeurs africains. Ils ont rajouté ensuite des prix autour du football parce qu'il y a des talents à mettre en avant. C'est un événement, comme disait Guylaine, qui fait déjà sa 27e édition, respect. Et avec des collaborateurs, des partenaires comme RTL, TVI, c'est une autre classe. Donc on félicite vraiment Moro et Karine et toute l'équipe qui travaille chaque année pour que ça soit un événement haut en gamme des couleurs. Voilà, ok, à tout à l'heure alors. Merci. Ils sont nominés ce soir pour les Dounia, les membres du Sidexia Management à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir, Madame Ika. Vous êtes ? Je suis Monsieur Kitenge Tunda Anthony. Oui. Je suis le fondateur de Sidexia Management. Je suis ici parce que nous avons été nominés pour le Dounia. Et nous venons en équipe avec nos proches collaborateurs, sans oublier bien sûr les chevins des sports de Waterloo. N'oublions pas que je suis aussi le président du football club de Waterloo. C'est aussi un point à ne pas oublier, étant donné que notre travail ne se fonde pas que seulement par rapport à Sidexia Management, mais se fonde aussi par rapport aussi aux activités que nous avons dans la nomination de la présidence de Waterloo. Voilà. En tout cas, un grand merci, monsieur. Bonsoir, moi c'est monsieur Litangé Wabob, je suis le vice-président de Sidexia Management. Et donc, comme l'a dit monsieur le président, nous sommes venus ici pour honorer justement ce prix, cette récompense qui est aussi le fruit d'années de travail et de labeur. Donc,
sommes très, très contents d'être là et de pouvoir honorer aussi la communauté, parce que c'est aussi pour moi une vitrine pour notre communauté africaine ici en Belgique. Oui, ce qui est très important. Mais il y a un point à souligner que j'aimerais bien savoir. Il y a combien de temps que Sidexia Management existe ? Je laisserai le vice-président mieux vous expliquer, étant donné que c'est vraiment lui le fruit de la machine de cette activité. Sans lui, je ne pense pas que je serais là où je suis. Donc je laisserai la parole à monsieur Litange Wabob. Oui, monsieur. Oui, donc Sidexia Management a pris forme, on va dire, début 2009, que nous avons lancé nos activités. Et depuis 2012, nous avons aussi une branche Sidexia Management au niveau du Congo. Oui. Et nous travaillons vraiment de manière à ce qu'on donne le plus d'emplois possible aux frères et sœurs de la communauté. Oui. Vraiment promouvoir l'emploi pour les gens issus de la communauté. Et en gros, vraiment, Sidexia Management a cette vision-là de pouvoir vraiment faire resplendir la communauté congolaise. Voilà. Ok, rendez-vous à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, merci. Il est là ce soir, il manque jamais ce rendez-vous, monsieur Cody. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Ça va ? Hein ? Quel honneur de t'avoir à mes côtés. Non, c'est moi qui suis honoré. Quand on est face à Ika de Jong, franchement, on sait qu'il n'y a que du bon qui arrive. Et voilà, Cody, dis-moi, encore une fois, les souliers d'ébène, un petit mot sur ça. C'est un événement que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment le rassemblement de toutes les forces vives. Africaines, panafricaines qui sont ici en Belgique, et voilà, on vient célébrer le talent qui fait partie aussi des couleurs de ce pays, hein, les couleurs du drapeau même qui représente ce pays, et donc voilà, chaque année les gens sont de plus en plus nombreux, c'est un événement qui prend de l'ampleur. On est là dignement. C'est bon déjà. Bienvenue au Birmingham Palace pour cette soirée exceptionnelle, les souliers d'ébène African Awards, 27e édition. Une soirée exceptionnelle, résolument placée sous le signe de la diaspora africaine qui entreprend et qui gagne. Tous ensemble, ce soir, nous allons célébrer celles et ceux qui, grâce à leur talent, font briller la Belgique et plus largement l'Afrique. Et voilà un dénominé pour ce soulier d'ébène en cette soirée, Li Bombé. Son mot de quête, Sarah ? Klopt. So, zeg het maar, hoe is het om hier te zijn vanavond? Ben, ça me fait du bien que je suis nominé. Je félicite aussi les autres joueurs qui sont nominés. Après, voilà, je l'espère de gagner. Oui, j'espère le gagner, mais tu as eu une saison vraiment formidable où tu as marqué vraiment tes empreintes. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui te soutiennent et qui veulent aussi que tu puisses grandir encore derrière ton métier qui est le football? Ben, déjà, je pense qu'on a fait une super saison avec Bruges. Finalement on est champion, oui. On a travaillé fort. Je remercie les gens de Bruges, oui. Aussi ma famille qui m'a beaucoup aidé, mm-hmm. Mes parents et les gens qui sont près de moi. Et voilà, j'espère de gagner le soulier d'ébène pour la motivation. Oui. Et voilà, si je le gagne, ça serait mon premier trophée, oui. Individuel. Et voilà. Oui, en tant qu'Africain, on sait que tu es Congolais d'origine. Et pour quelle équipe nationale tu vas choisir ? Parce qu'on ne sait pas encore, dis-nous un peu. Non, franchement, d'abord, je choisis pour jouer pour la Belgique. Parce que, ok, je suis Congolais, mais je suis né ici. Et voilà, ça fait du bien pour jouer pour la Belgique déjà. Ouais. J'ai fait déjà une sélection et j'espère d'avoir plusieurs. Ouais. Ok, donc on croise les doigts pour toi tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.
La voix royale pour Anthony Kitenge. Qui gagne ce quatrième Dunia, entrepreneur consciencieux, méticuleux qui aime le travail bien fait. Il est président directeur général du Royal Racing Club de Waterloo Football Club, ASBL, depuis 2018. Je vous remets mon micro pour prendre vos émotions, pour prendre votre réaction. Merci. J'aimerais bien remercier le soulier d'ébène. Je ne pensais pas avoir ce Dunia. Je ne peux que remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé à monter ici, c'est-à-dire mes collaborateurs, qui sont d'ailleurs parmi nous ici. J'aimerais aussi remercier, sans oublier, Madame la conseillère, excusez-moi, je m'en excuse, vous pouvez m'excuser, comprenez mon émotion. Okay. Donc, je remercie aussi Monsieur l'échevin des sports de Waterloo, qui est parmi nous, qui est venu avec son fils d'ailleurs. Et je remercie aussi Monsieur Bombédé et Madame Véronique Champagne, qui font partie des administrateurs du club de football de Waterloo. Et je remercie le vice-président Monsieur Lita Ngewa Bob, qui est le vice-président de la société Sidexa Management, où nous employons beaucoup et beaucoup d'Africains. Je suis fier de le dire haut et fort. Pourquoi ? Parce que pour nous, il est important, que ce soit en Afrique, au Congo, plus particulièrement, ou ici, il est important pour moi, pour nous, de pouvoir donner l'opportunité d'ouvrir des brèches aux Africains, pour leur donner des opportunités, pour leur avenir, pour notre avenir. Donc c'est vraiment ça que je voulais dire. Et je voudrais aussi remercier M. Moro Mokota. C'est grâce à lui que je suis ici. Et c'est aussi grâce à M. et M. de Medina que je suis ici. Je dis M. et M. parce que ce sont des jumeaux. Donc je les connais depuis tout petit. J'apprécie énormément. Merci beaucoup. On peut applaudir comme il se doit notre ami Anthony Kitenge, qui a pour ambition de réaliser la présence de RRCW au niveau de la D3 provinciale du football belge. On vous souhaite le meilleur, mais attendez. Il y a ce qu'on appelle un doublé au foot, et on va faire un doublé avec vous ce soir. Get a surprise and double booking like that. Et là, vous vous demandez, mais de quoi parle-t-il? Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous remportez un deuxième prix, qui est le prix ACMB pour le remettre. J'appelle tout de suite Gilles Bénicourt, associé avec ACMB. Gilles Bénicourt qui remet donc ce deuxième prix à Anthony Kitenge. C'est un doublé! Gilles Bénicourt, associé ACMB, est-il là? Vous voulez vous amuser, une table, vous pouvez marcher. Moi j'aime les choses. Mais on continue à chercher. Donc le prix ACB fait référence à un entrepreneur africain qui, par son dynamisme et son sens de l'entreprise, a su donner une image positive de l'Africain. C'est ainsi que notre association de fête distingue chaque année un Dunia entrepreneur, et ceci depuis plus de 5 ans. Donc je vous félicite. Merci pour ce doublé réalisé par Anthony Kitenge avec ce prix ACMB qui lui est remis des mains de Gilles Bénicourt. ACMB est une association de fait dans le domaine de l'expertise comptable et du conseil fiscal, dirigée par 3 membres fondateurs, Mauro Mokota Moudeba, Bayo, Gilles Bénicourt et Ivan Vilaseca Valcom. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas j'ai tenté. Est-ce qu'on peut applaudir comme il se doit Gilles Bénicourt, Anthony Kitenge? Mr. Sec, nominé pour les souliers d'ébène en cette soirée, qu'est-ce que ça fait d'être ici en tant qu'Africain surtout? Ben, ça fait plaisir d'être ici, de savoir qu'au moins que l'Afrique est représentée par rapport au championnat belge. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le soulier d'ébène. C'est super important qu'on valorise encore une fois ce grand continent. Tu es d'origine africaine, ici, en Europe, dans le pays dans lequel tu évolues. Et voilà un soulier qui est offert. Dis-nous un peu. Ben, ça fait toujours plaisir d'être nominé parmi tant de joueurs, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Ben, quand tu arrives à être parmi les 5, je pense que c'est une fierté. Oui. Bah, je dirais que ça suffit déjà d'être parmi les 5 meilleurs Africains. C'est déjà une victoire. Voilà. Après, derrière, celui qui gagne, pour moi, ce n'est pas aussi important que ça. Le plus important, c'est de faire son boulot tous les week-ends.
et d'être reconnu parmi tant de joueurs. Voilà, en tout cas, félicitations et à tout à l'heure. Merci, merci. Hier hebben Malik Di Svatar gekomen om zijn vader te steunen, Anthony Keating. Wat kan je van zeggen? Ik ben heel fier op hem, omdat hij is al heel lang bezig om dit doel te bereiken. En hij vandaag laat zien dat hij dit heeft bereikt. En hij zei altijd tegen mij om duur en costo te zijn. En dat heeft hij nu bewezen aan mij dat hij duur en costo is. Okay. En wat kan je tegen hem zeggen? Ja, ik ben fier op jou en doe zo verder. Okay. Dankjewel. Un dénominé à ce soulier d'ébène, Christian Louis Ndama, qui évolue au Standard de Liège. Bonsoir Christian. Ouais, bonsoir Ika De Jong. Dis-moi un peu, qu'est-ce que ça fait d'être nominé aujourd'hui? Ouais, on est venu ici pour les souliers d'ébène. Ouais, c'est un peu ça quoi. Ouais, c'est important, en tout cas on te souhaite bonne chance en espérant qu'on va rentrer à la maison avec ce soulier là. Ouais, en espérant qu'on va rentrer avec ce soulier d'ébène. On est là, je suis nominé parmi les 5 qui ont nominé, ouais. Pour le moment, je ne sais pas si je vais remporter cette soulier d'ébène, mais comme on dit, ouais, on espère. Voilà, on espère. Merci Christian et bonne chance. Hein. Ok, merci. Suivi une superbe prestation de gospel et art et un des membres est ici à nos côtés pour cet événement, le soulier d'ébène. Dites-nous, ce gospel-là, il est basé sur quoi? Parce qu'on a entendu tellement de voix, des belles couleurs dans vos voix. Parlez-nous un peu. Eh bien, gospel et art, en fait, l'idée, c'était vraiment de rassembler tous les musiciens qui font du gospel en Belgique. Donc, on n'est pas un groupe au nom d'une seule personne, mais ça, l'idée, c'est vraiment de rassembler les artistes gospel qui chantent, qui dansent ou qui jouent d'un instrument, venant vraiment des quatre coins de la Belgique. Et ensemble, on offre des prestations donc, de style de ce qu'on a fait ici au Soulier d'Ébène. Voilà. Et où est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, nous avons une page Facebook, Gospel et Art, tout simplement. Nous avons aussi un compte Instagram, Gospel et Art, ou le site www.gospelart.be. Voilà, en tout cas, un grand merci et continuez de la suivre. Ben, c'est un plaisir et j'aimerais aussi vous inviter. Donc, nous avons une grande comédie musicale qui aura lieu au Palais 12 le 20 octobre de cette année, qui s'appelle donc Espoir. Et voilà, ce sera vraiment un show extraordinaire. Donc, venez nombreux, invitez vos amis, vos proches. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur le site que je viens de vous donner. Et vous ne serez pas déçus. Voilà, on ne sera pas déçus. Merci. Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt. L'honneur d'avoir un nominé de ce soulier d'ébène, monsieur Mehdi Karsela, évoluant au Standard de Liège, ici à nos côtés. Comment tu vas, Mehdi? Ça va très bien, ça fait toujours plaisir de venir ici pour le soulier d'ébène. Qu'est-ce que cela représente pour toi? C'est le continent africain qui est encore une fois mis à l'honneur? Bien sûr, toujours, hein, c'est le sang et le sang gagne toujours et ça fait toujours plaisir de représenter l'Afrique partout où on est. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux dire à tous tes followers? Ben merci de me soutenir comme vous savez le faire et tout ça, tout ce qu'on fait c'est grâce à vous. Merci, bonne chance. Merci. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je suis ici. C'est pas normalement la scène professionnelle dans laquelle je suis tous les jours, monsieur le député. Sénateur, c'est important, il y a une différence de ce Sénateur, du royaume. Monsieur le sénateur. Il y en a 50, il y a 60 ministres. La théorie des cordes, c'est une théorie qui explique, qui essaye d'expliquer la structure fondamentale de l'espace, du temps et de la matière.
et elle est basée sur des notions mathématiques que certaines personnes aiment décrire comme compliquées. Mais en réalité, les mathématiques, c'est la description de ce qu'il y a de plus simple, de plus beau et de plus élégant dans ce monde. Ce qui est compliqué en général n'est pas décrit par les mathématiques, mais les mathématiques, c'est le langage de la beauté. Un ancien avait dit que, en fait, si Dieu parlait un langage, son langage, ce serait le langage des mathématiques. Et un message que je voudrais donner pour tous les parents qui sont dans les salles, c'est de dire chaque jour à vos enfants de ne pas avoir de limites par rapport à ce qu'ils peuvent faire, et en particulier, ne pas les laisser dire « les mathématiques, c'est trop compliqué pour moi ». Aujourd'hui en Afrique, on a un continent qui est riche en toutes sortes de ressources qui sont exploitées par le reste du monde. L'une des raisons, c'est parce qu'on n'a pas le langage et les outils sur place pour développer notre propre continent. Et pour moi et pour beaucoup d'autres qui sont dans les sciences, nous pensons que le futur de l'Afrique, ce ne sont pas ses matières premières, mais ce sont ses enfants. Ces enfants qui peuvent apprendre à faire des sciences, apprendre à développer leur continent, apprendre à redonner à l'humanité tout entière, ce qui va être le résultat non pas de leur sous-sol, mais de leur cerveau. Alors, c'est un message que je vais demander à chacun de vous de ramener à la maison. Je vais faire quelques remerciements ici. D'abord, je vais remercier toute ma famille. Je voudrais aussi remercier toutes les femmes qui m'aident dans mon travail de vulgarisation tous les jours. Raïssa Malou, Noëlla Coursaris de l'association Malaika, Sandrine Moubenga et toutes les autres personnes qui pensent que le futur de l'Afrique va passer par les enfants. La moitié de la population africaine est composée de femmes et moi je milite dans une association qui s'appelle Malaika, dont le but est d'apporter aux jeunes filles congolaises une éducation de première qualité. Donc aujourd'hui que je vous parle, je donne un cours à des petites filles de 13 ans qui sont dans un petit village en Afrique, au Katanga. Et je leur dis tous les jours que dans la classe que j'ai, que je regarde via Skype, il y a des futurs ingénieurs, il y a des futurs docteurs, il y a peut-être un futur Einstein, pas moi, mais l'une de mes étudiantes. Et franchement, je pense qu'aujourd'hui, on peut célébrer le sport, on peut célébrer l'art, on peut célébrer la culture, mais il faut qu'on pense à célébrer nos enfants. Et nos enfants, c'est le futur de l'Afrique. Je vais m'arrêter là. Applaudissements, chers amis, mesdames et messieurs. Il n'y avait pas mieux que lui pour dire ce soir que la richesse de l'Afrique, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas les cuivres, ce n'est pas le pétrole, la richesse de l'Afrique. Allez, franchement, et messieurs et mesdames, et les hommes, il y en a ce soir. Mais les femmes, elles sont canons, non? Elles sont bien. Toutes. La richesse d'Afrique, c'est les hommes et les femmes qui y a là-dedans. Mesdames et messieurs, au nom des organisateurs, je me permets de remettre ce soir un Dunia International 2018 à monsieur le mathématicien, le professeur Jonathan Mboyo et Solé, que je vous demande d'applaudir vivement pour une dernière fois. Jonathan Mboyo et Solé reçoit ce prix international. A noter que depuis septembre 2016, il a rejoint le département de mathématiques de Dorster Stern après avoir été professeur assistant. You can be my wife. Ici à Bruxelles pour la remise de ce beau trophée. Mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Dites-nous, ce Dunia International, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Pour moi, ce Dunia, c'est la reconnaissance que dans la communauté africaine de Belgique, on reconnaît l'importance des sciences, des techniques et de la technologie pour nos jeunes. Et à travers ce Dunia, je vais pouvoir
discuter avec la communauté congolaise de Belgique. Déjà jeudi, on a une conférence avec l'association DC Racines. Et mon but, ce sera de promouvoir l'idée que nos enfants, c'est le futur de notre pays. On veut leur donner les meilleures options pour réussir dans un monde qui change très rapidement. On veut aussi insister sur le fait que nos jeunes filles, les jeunes filles africaines ou les jeunes filles du monde entier, c'est en fait un espoir sur lequel on ne peut pas fermer les yeux. On veut leur donner encore plus de moyens que les garçons parce qu'elles doivent monter des montagnes beaucoup plus grandes. Ce qui est tout à fait logique. Nous tenons aussi à vous féliciter pour ce que vous faites, surtout... On va parler de Malaika, ce qui est super important, ces enfants à qui vous rendez cet espoir de se dire que peu importe où nous sommes, on peut devenir quelqu'un. Oui, Malaika, pour moi, c'est un rêve qui est devenu une réalité. J'ai toujours voulu travailler vraiment directement avec les jeunes enfants dans les petits villages. Et Malaika est localisée dans un petit village au Katanga. Et à l'aide de la technologie, à travers Skype, je peux donner des cours de mathématiques à des jeunes filles qui ont environ 13 ans. Et mes filles de Malaika, ce sont des petites princesses des mathématiques. Elles sont formidables. Et je suis persuadé que dans la classe déjà avec laquelle je travaille, on va avoir certaines personnes dont on va entendre parler dans le futur, que ce soit en tant qu'ingénieur ou peut-être mathématicienne ou physicienne. Quel message d'espoir vous pouvez donner à toute cette jeunesse qui vous prennent comme exemple aujourd'hui et qui n'ont pas cette chance de devenir comme vous? Ce que je voudrais leur dire, c'est que moi, j'ai commencé, quand j'étais enfant, j'avais des problèmes à l'école. J'étais ce qu'on dit « special need ». Et j'ai dû traverser des épreuves pour arriver là où je suis. Mais là où je suis, en fait, ce n'est pas nécessairement formidable. Il y a moyen d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et donc, ce que je vais dire à nos jeunes, c'est que je suis persuadé qu'à l'âge où ils sont beaucoup plus doués ou intelligents que moi, j'étais au même âge. Et donc, s'ils pensent que je suis un exemple pour eux, ils doivent se dire qu'ils doivent aller, pas là où j'arrive moi, mais aller beaucoup, beaucoup plus loin. En tout cas, un grand merci et mes sincères félicitations. Merci beaucoup. Donc voilà, mes sincères félicitations pour votre Dounia. Quel message d'espoir vous pouvez donner à tous les membres de ce continent africain? Écoutez, au niveau des messages d'espoir, j'ai toujours, depuis 50 ans, je donne des messages d'espoir en faisant moi-même d'abord des choses. En disant, comme je vous l'ai dit là-bas, que quand on est une femme noire, ce n'est pas facile de s'en sortir. Si je m'en suis sortie, c'est que j'avais des ressources en moi qui m'ont aidé à franchir toutes les étapes des difficultés. Donc il ne faut pas perdre l'espoir, il faut non seulement s'instruire, mais éduquer. Éduquer, parce que là, ça fait l'être complet. Oui, notre papa, que je prends souvent en référence, nous disait, on va tout vous donner dans votre tête et dans votre cœur, comme ça, partout où vous irez dans le monde, vous vivrez avec dignité. C'est ce que je leur dis, éducation et instruction. Mais pas laisser l'éducation parce qu'il y a instruction. Voilà. Bonsoir, tout le monde, ça va? Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle ce soir? C'est tout? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont fières d'être femmes ce soir? Vous avez vu les mecs, hein, vous ne pouvez pas nous gérer. On est beaucoup trop. Est-ce qu'il y a des joueurs ce soir? Vous avez vu les filles, c'est là-bas qu'il faut pêcher. Est-ce que les femmes ne sont pas belles ce soir, messieurs? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Messieurs, faites un peu du bruit pour tous les canons qu'il y a ce soir. Messieurs. Ouais, les filles sont belles. J'ai vu des filles saper comme Jaja. Des filles sexy avec des mini, des robes courtes. Des robes où c'est marqué « J'ai faim ». Ces filles-là ne se sont pas habillées pour les Africains noirs, non, elles se sont habillées pour les souliers des belles. Je me suis habillée pour Eden Hazard. Ça l'a dit qu'on a Hazard, Eden. Ah, Hazard n'est pas là. Bon, c'est pas grave, même un joueur de 4ème, 5ème, 6ème division, je prends. J'ai faim, faut envoyer les Western Union les loyers.
Non mais je vous taquine les filles, mais si, vous êtes canons, les filles, vous êtes magiques. Bonsoir à tous, je me présente. Je m'appelle Cécile Djungal Andulan Sango Akenda Jamba Vangu Kiseo Kito Lobo Rovadi Pili Pili Shango Nya Vovi Kasa Libula Shango Nya du côté de mon père. Et c'est vrai que mon nom est hyper long et malheureusement, contrairement à certains dans la salle, ce n'est pas un titre de noblesse. En fait, dans ma famille, on pense qu'au plus on donne de noms, au plus l'argent va tomber. Fais l'argent, fais l'argent. Bili Bili Bili. Voilà. En tout cas, je suis ravie d'être là. On m'a dit, viens jouer au Buckingham Palace. Enfin, au Buckingham Palace, hein, au Palace. On m'a dit, viens jouer, tu vas voir. Le public est déchaîné. Donc, on m'a menti. Ah, on m'a bien menti, on m'a bien menti. Ah, on m'a dit, viens, tu vas voir. Il y a des stripteaseurs, enfin, des footballeurs, pardon. On m'a dit, tu vas voir. Les gens, ils sont beaux, ils sont élégants, ils sont chics, ils sentent bon, donc est-ce que tu peux partir, s'il te plaît? Mais je te taquine. Comment tu t'appelles? Geoffrey. Si tu veux, Geoffrey, à la fin du spectacle, toi et moi, on ira jouer au papa et à la maman. Non, mais t'emballes pas trop, Geoffrey, c'est moi qui ferai le papa. Moi, dans la vie, je fais des blagues et je présente la météo. Enfin, bon, présenter la météo en Belgique, c'est un petit peu une blague. Hein. Surtout de télévision, hein, je regarde le sport à la télé. J'adore Jean-Claude Van Damme, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je suis comme Jean-Claude. Je l'ai croisé l'autre jour, il m'a dit, Cody, il faut faire du sport, ok? Et là, je m'adresse à tout le monde, aux enfants, aux femmes, aux nains qui savent bien peindre, qui est important. Il a dit ça, je te jure. Et c'est important de faire le grand écart tous les jours, comme moi, je suis Jean-Claude. Hop, j'ai pété, tu n'as rien senti. Tu n'es pas aware. Soyez aware. Merci en tout cas de m'avoir demandé de venir remettre ce prix. Vous pouvez m'applaudir, puisque c'est tout ce que vous avez. Si vous voulez venir me voir, payez votre place pour venir me voir en spectacle. Hein, parce que, ça pue en plus. J'ai une fille à nourrir, elle a 3 mois. C'est pas en venant faire, en remettant un soulier des mecs que je vais gagner ma vie. Hein. Moreau, il le sait, c'est mon comptable. Merci Moreau. Je vous embrasse tous. Merci à tous. Merci. On va procéder, Monsieur le Président Georges Hélène, président du jury. Il y a eu le dépouillement du deuxième tour il y a quelques heures à peine. Alors on va citer les 5e, 4e, 3e. Je propose directement, pour vous aider, j'ai un petit copion, de citer le 5e. De ce classement du Soulier des Bennes 2018. Il s'agit du défenseur du Standard, Christian Luindama. Voilà, alors il y a un petit trophée à chaque fois qui va vous être remis par une de nos hôtesses. Il y en a déjà là. Pardon, je ne suis pas une hôtesse, mais j'ai jamais de trophée. Voilà. Félicitations, Christian, et bonne continuation. Superbe deuxième place. On espère évidemment pour vous que la saison prochaine sera du même acabit. Le 4e du palmarès 2018, il s'agit de l'attaquant du KV Mechelen, Hassan Bandé. Voilà, alors il n'est pas là, vous le savez maintenant, et on va passer directement à la 3e marche du podium. Le 3e, il est solide, il nous vient du Sénégal, Ibrahima Seck. Félicitations du président du jury, Georges Lenz, et le petit soulier aussi qui va être remis dans quelques instants, bien entendu, à Ibrahima Seck. Alors, vous l'avez compris, monsieur le président, voilà, il reste deux hommes, l'un qui a déjà gagné le Lion d'Or il y a quelques jours à peine, l'autre qui est champion de Belgique depuis quelques heures. Alors, c'est vous qui connaissez, qui avez dans votre main le lauréat du 2018. Je propose que les deux s'avancent, parce que finalement, et Georges Hélène, avancez-vous un petit peu pour que l'on puisse découvrir. Je vous donne le micro, Georges, pour que vous nous annonciez ici le vainqueur 2018 du Soulier d'Ébène.
C'est pas tellement facile parce que ce sont deux très bons joueurs qui ont eu une saison formidable. Et je les apprécie énormément parce qu'ils ont du caractère, ils ont de la qualité et rien n'est jamais fait nu. Et je les félicite pour la saison qu'ils ont faite. Je les applaudis effectivement. On sent un peu le stress chez Mehdi et chez Anthony, mais voilà, le stress va se terminer avec l'annonce immédiate de Georges Hélène. Libombé. Anthony Libombé, soulier d'ébène 2018. Quoi? On va lui remettre son trophée. Il manque quelque chose là, voilà. Champion de Belgique hier sur la pelouse du Standard de Liège et aujourd'hui d'entre ses mains le soulier d'ébène 2018. Proficiat Anthony Limbombé, magnifique ce parcours du club de Bruges et la récompense individuelle bien sûr ce soir, même s'il y en a eu d'autres pour ses coéquipiers ou son entraîneur, Anthony, au footballeur du... Oui, il y a des billets là. Il y a le pognon, Il y a des billets. Voilà, l'euro million. Oui, l'euro million. C'est du lourd. Voilà, c'est l'été qu'il a offerte par Padre, l'un des sponsors de l'organisation. Magnifique, évidemment. Et Anthony Limbombé qui va pouvoir repartir bien chargé à Bruges. Il y a encore un dernier match quand même à disputer dimanche prochain pour clôturer la saison. Voilà, après les photos, on va quand même céder un petit peu la parole, le micro à Anthony pour recueillir ses impressions. Je vais m'avancer vers lui. Alors, premières impressions avec ce soulier entre les mains. Ik ga in Nederlands beginnen. Goedenavond iedereen. Ik ben zeer blij om deze trofee te winnen. Dit is mijn eerste individuele trofee als jonge speler. Ik wil Club Brugge bedanken. Ik wil ook vooral mijn familie bedanken die dat daar zijn. Mijn ouders. En de mensen die mij veel steunen. Ik wil ook iets zeggen voor Gerrit Kempeneers, die mij heel veel steunt. En veel met mij praat. En ja, dit doet gewoon deugd. Ik ben er heel blij mee. Ook dat we kampioen zijn. Nu ga ik iets in Frans zeggen. Je félicite aussi les joueurs qui sont nominés. Parce qu'ils ont aussi fait un bon travail. Après, je suis très content de gagner ce trophée. C'est mon premier trophée individuel comme jeune garçon. Voilà, ça fait plaisir et je voudrais remercier mes parents, les gens qui sont venus avec moi, ma famille et voilà, et l'organisation surtout. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, Anthony Limbombé, du talent sur le terrain et de la classe en dehors. Bravo, dic proficiat. Merci beaucoup. Anthony Limbombé, soulier d'ébène 2018, proficiat. Merci beaucoup, je suis très content, je suis fier de moi, je suis fier du club, ce qu'on a fait, on est champion et voilà, moi ça me fait plaisir parce que c'est mon premier trophée individuel et voilà, je suis très fier de moi. Voilà. Qu'est-ce que cela représente pour toi en tant qu'Africain? C'est super important parce que le soulier des bœufs, c'est quelque chose qui valorise quand même le continent. Et toi, tu as des origines africaines, tu as des origines congolaises. Qu'est-ce que tu peux dire? Ben déjà, je remercie mes parents qui sont toujours là pour moi, qui m'aident beaucoup. Et voilà, moi je suis né en Belgique. Mais voilà, je suis très content avec mes parents qui m'ont bien éduqué. Et les gens avec qui je suis autour, qu'on est bien ensemble. Et voilà, ces trophées, c'est pour eux. Vraiment qu'ils n'étaient de l'Ostun. Wat kan je dan zeggen aan de jongeren die jou volgen, die jou nemen als voorbeeld vandaag? Je hebt toch gewonnen en dat is de beste van Afrika. Ja, inderdaad. Ik denk dat dat heel goed is voor mij. Ik denk ook goed dat goed is voor de jongeren. Dat moet hun motiveren, want ik zag ook dat de laatste jaren wie wonnen. Vorig jaar won Tielemans. En in het begin zag ik dat niet als een...
als een must, zeg maar. Maar ik ben nu heel blij dat ik deze heb gewonnen. En ik hoop dat dat mij een boost gaat geven voor de toekomst. Oké. Okay. En wat kan je tegen die mensen van je club zeggen? Natuurlijk. Ik denk dat iedereen fier is op de club. Ik denk dat ik ook fier kan zijn op wat we deze jaar hebben bereikt. We hebben kampioen gespeeld. Er zijn meerdere spelers bij ons die dat vandaag en de afgelopen maanden trofees hebben gewonnen. En ik ook, dus dat wil zeggen dat wij allemaal goed ons best hebben gedaan. En op naar meer. Ja. Kan je wat in Lingala ook zeggen? Kan je een beetje Lingala, Afrikaans spreken? Ja, maar... Je bent zo bang wat je loopt, mogen we bij jou gaan? Nee, niet in Lingala. Oké, gefeliciteerd jongen. Dankjewel. Doe maar je best nog, hè. Dankjewel. Oké, dankjewel. Heel veel bedankt. Et voilà, nous avons l'honneur de recevoir les parents du gagnant de ce soulier d'ébène, Anthony Libombé. Félicitations à vous les parents, merci. Maman. Merci beaucoup. En tant que maman, qu'est-ce que cela représente pour toi? Quel honneur on te voit ému aujourd'hui. Je suis très content pour mon fils. Dieu a fait pour lui. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est important. Papa, qu'est-ce qu'on peut dire? Un fils aujourd'hui qui valorise encore une fois ce continent africain à travers son métier, le football, aujourd'hui lui permet de grandir à soulier d'ébène. C'est pas si évident, mais il a eu. D'abord, je vais commencer à dire merci à vous et à toute l'organisation. En tant que parents, nous sommes vraiment très 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 contents de cette trophée. Ça montre que le garçon a pu travailler. Et je dois aussi quand même féliciter tous les 5 nominés. Ça veut dire qu'ils ont fait, tous ces joueurs ont fait une très très bonne saison. C'est pour cela qu'ils ont été nominés aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces parents qui ont des enfants, qui évoluent aussi dans le monde du football, qui rêvent de devenir aussi comme Anthony? C'est bon. En tant que parent, je peux que dire qu'il faut rêver dans la vie. Donc c'est un travail d'une très très longue durée qu'on a pu effectuer. La seule chose que je peux dire, c'est que les enfants doivent être sérieux en ce qu'ils font. Vous pouvez avoir du talent, mais il faut toujours travailler. Il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye. Merci. Merci à vous et félicitations. Hein. Profitez de la soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Et il a gagné ce prix du mérite, monsieur José Pocou. Dis-nous un peu, comment ça se passe les souliers d'ébène? Tu vis encore une fois un événement qui valorise le continent africain. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, ça valorise le continent africain et l'Africain aussi. Donc voilà, c'est des projets comme ça qu'on soutient. Donc on est notamment africain et donc voilà, quand on peut soutenir, ben, on le fait avec grand plaisir. Oui, aujourd'hui, Pocou, tu as une place dans ce club dans lequel tu évolues, le Standard de Liège. On peut le souligner en sachant que on ne sait plus s'en passer de ta personne. Tu es devenu une pièce motrice de ce club. Quand tu n'es pas là, on sent ton absence. Quand tu es là, on sent que l'équipe est motivée. Tu n'es plus seulement un joueur, tu joues un autre rôle aussi. Parle-nous un peu. Non, c'est vrai que voilà, quand je suis revenu au Standard, c'était pas seulement pour être un joueur, mais pour ramener un peu l'ADN, on va dire, du club à certains joueurs qui connaissaient pas ça. Donc, comme tu dis, c'est plus que jouer sur le terrain, c'est aussi encadrer aussi les jeunes de l'académie, parce que voilà, j'ai été jeune et je suis passé de l'académie en pro, etc. Donc, c'est vrai que j'ai un rôle plus global qu'en tant que footballeur, mais il ne faut pas oublier qu'avant de tout ça, je suis d'abord un footballeur, donc je me dois de performer aussi. Et donc, mais voilà, pour moi, je prends ce rôle avec beaucoup de joie et je suis fier à chaque fois de porter ce maillot du Standard. Et voilà, et pour moi, c'est un plaisir. Et voilà, au vu de la saison qu'on a fait aussi cette année, c'est formidable. Voilà, Polo Pocou, maturité, papa. Aujourd'hui, c'est plus le même. C'est plus juste le joueur, le mari, c'est aussi un père. Non, c'est vrai, c'est une autre responsabilité. Donc, d'être papa d'un enfant qui va avoir 3 mois bientôt. Donc, franchement, on rend gloire à Dieu pour ça, parce que c'est Dieu qui donne. Et donc, c'est vrai que c'est d'autres responsabilités que dans le football. Donc, voilà, maintenant, comme j'ai toujours dit, pour moi, voilà, la famille passait avant tout. Donc, maintenant, voilà, je dois m'occuper bien de mon épouse d'abord. Et puis de mon fils, quoi. Ouais, en tout cas, une bonne continuité. Continue à nous faire rêver. Continue à être ce modèle-là que tu as toujours été. Merci. Merci. On va continuer. On va essayer. Continue à nous soutenir et prier pour nous aussi.
au nom de Jésus. Amen. Et voilà toute l'équipe qui a soutenu ce grand vainqueur qui est Anthony Kitenge. Aujourd'hui, il a eu deux trophées qui valorisent encore une fois ce continent africain, qui valorisent encore une fois son travail. Je vais un peu poser les questions, à comment est-ce que vous avez vécu ça? Bon, beaucoup d'émotions, hein. C'est pour un Africain, et en plus un président de Waterloo, ça nous a vraiment fait plaisir. Et on encourage d'autres Africains à pouvoir se montrer et montrer leur capacité de pouvoir réussir dans ce monde qui n'est pas facile, mais qu'avec beaucoup de courage, tu peux y arriver. Voilà, on peut y arriver. Monsieur Hamon. Mais moi, j'étais très surpris parce que je pensais qu'il allait avoir donc un prix. Et il est venu donc avec, allez, il est parti donc avec deux, allez, qui est tout à fait normal en le connaissant parce que c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui va donc pour tout. Et allez, sans vouloir, il gagne tout. Donc ça, c'est allez, j'apprécie beaucoup donc ce monsieur grâce à ça. Voilà, en tout cas, un grand merci. Voilà, je pense qu'on peut vraiment dire qu'Anthony Kitenge, c'est un fonceur. Et c'est vraiment le deuxième titre qu'il remporte aujourd'hui, c'est à l'image de sa vie. C'est quelqu'un qui va et qui ne compte pas quand il s'agit de l'Afrique. Au niveau de Sydexa Management, c'est quelqu'un qui a beaucoup investi, qui a investi et énormément dans sa communauté. Et aujourd'hui, il a été récompensé. Et moi, je l'ai rencontré dans le cadre du football, puisque je suis avocat du club de football de Waterloo. Et quand il est arrivé à Waterloo, il est venu avec ce même enthousiasme, foncé, encore et toujours. Et aujourd'hui, il est récompensé. Voilà, en tout cas, il est récompensé à sa juste valeur. Quand on voit Anthony, on le voit lui aussi. Félicitations à toi aussi. Merci. Ses mérites sont aussi les tiennes. Ok, merci. Ben, bon, très honoré. Moi, je dis qu'il y a toujours moyen de mettre en avant la communauté. Ben, c'est un honneur pour nous, hein. Donc voilà, c'est un honneur pour nous, pour nos collaborateurs, nos collaboratrices. Voilà, c'est aussi un travail d'équipe. Et voilà, on est là, on lâche rien et ce n'est que le début. Voilà, ce n'est que le début et bonne chance à Sydexa. Continuez à nous faire rêver, madame. Ok, merci. Oui, bonjour. Donc moi, je pense qu'Anthony est quelqu'un de fonceur qui aime le défi. Donc c'est ça aussi, sa motivation première. Oui, voilà, ouais. Donc ça a été prouvé ce soir encore une fois. Et monsieur? Bah, écoutez, je connaissais M. Kitenge des affaires et c'est vraiment quelqu'un qui va à 100%, qui aime les projets, qui aime les défis et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec lui. En tout cas, c'était l'honneur d'avoir tous ces gens à ses côtés. Anthony Kitenge, on continue avec Sydexa, hein? Sydexa Management, tout à fait, oui. Voilà.